Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce 10e épisode sur The Last of Us 2. Alors bien entendu, j'ai toujours le même problème de micro car je suis un parfait connard, j'ai oublié de le rallumer. Et en plus de ça, je crois qu'il y a seulement une partie de la vidéo qui contient mon enregistrement micro. Donc voilà, je vais vous faire comme la fin de l'épisode précédent, donc le 9e. Je vais vous laisser seulement des passages les plus importants. Donc là, c'était une phase d'infiltration, ça vous met un petit peu dans l'ambiance, je vous la laisse. Et on se retrouve juste après. Ok. J'ai bien envie de me casser d'ici. Pareil. En plus, j'avais oublié de rallumer mon micro. Donc, vous avez pas entendu ma rage, mais j'étais trop dégoûté. Je pouvais le faire en discret. En stealth. Et j'ai rien pu faire. Trop deg. Bon, où est la suite de l'histoire? Histoire qu'on avance un petit peu, là. On peut se fabriquer des petits trucs, ouais. Un silencieux, ça peut être pas mal. Est-ce qu'on utilise un soin? Je pense pas, en vérité. Non. Non, on va les garder. Ici. Hop. D'accord. D'accord, donc c'est bien là la suite. Non, pas du tout. Mais c'est où votre jeu là? C'est où qu'on joue au jeu dans votre jeu? C'est bien là la suite. Je comprends pas. C'est où? Vous suivez sûrement les tuyaux jaunes. Ah, c'est la sortie. Station access. Voilà. Ok, on est bien dans la station de métro, je dirais. On est à quelle station là? Ça me dit quelque chose. Mais à la fois ça ressemble tellement à... C'est quoi, c'est Uncharted 3 où il y a un passage en souterrain? Il me semble que oui, ça ressemble beaucoup beaucoup. Quand on est en dessous de Londres. Mais il n'y a rien ici. Pourquoi je passe là moi? Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Hop. Je sais pas, un accident de train peut-être? Merci Sherlock. Ouais, t'es une génie. Hein. Toi t'es du genre intelligente. Ok, c'est dégueulasse. Ah! Putain! Je sens l'air frais. Je me demande s'ils ont fonctionné longtemps après le début de l'épidémie. Ah, je vois de la lumière par là. Alors on monte. Ah, ça sent bon. Ah oui, j'aime voir la lumière naturelle. Qu'est-ce qu'on a ici? Encore Jules? Ce qui est cool, c'est que les mecs qui s'appelaient pas Jules, ils ont laissé la note. Hein. Ils sont pas dit on va la voler et puis voilà. C'est Gray, la part de Gray. Je vous laisse mettre la pause comme d'habitude. Hein. Ah, elle est belle cette station là. Ça me fait penser un petit peu à Rosa Parks. Ça veut dire qu'on pourra bientôt foutre le camp de cet endroit. Allez, viens par ici. Viens là, donne-moi la main. Pas mal de relief. Tu m'aides? Je vais pas faire la blague de me mettre en dessous juste pour tester okay. Les limites du jeu. Hein. On reste ensemble. On sera bientôt dehors. Quelque chose me dit. Devant.
Ouais, pourquoi tu veux que je passe devant? Quelque chose me dit qu'il y a une arnaque. Attention, hein. Sa mère, il est vraiment effrayant. Avec son crâne chaud. Cache! Ellie, ton masque! Tiens, prends le mien. Non, 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 non! L'enlève pas! Dina, stop! Ellie, stop! Quoi? Non! Ellie, non! Arrête! Je suis pas infectée! Je suis immunisée! Je tousse pas, regarde! Merde. Dina! Tu peux courir? Ouais. Oui! Alors, vas-y! Fonce! Moi aussi je cours. Cours, Dina! Ah bah Ellie, enfin on l'a mis au courant. Elle ne croyait pas en plus. Elle. C'est dégueulasse. Où est-ce qu'on va? Ah! Si on se reposait dans ce théâtre. C'est une putain de... Waouh! Putain, on est au théâtre! Incroyable! Je sais pas si on est menacé, mais... Incroyable! On était si proche de la sortie, en fait. Tu y es presque. C'est là où il y a eu les images qui ont fuité. La première fois qu'on a vu Ellie jouer de la guitare. Je te tiens. Attends là. C'est bon? Allez! Il y a personne. Viens. Tu peux me dire ce qui se passe, au juste? Tu me demandes ce qui se passe? Ellie, je viens de te voir inhaler des spores. Je te l'ai déjà dit. Je suis immunisée. C'est ça. T'es immunisée. Arrête, je t'en prie. J'ai été mordue, il y a déjà longtemps. Mais putain, de quoi est-ce que tu parles ? J'ai été mordue et il s'est rien passé. La brûlure à ton bras. Maria et Tommy... et Joël sont les seuls au courant. Toi aussi maintenant. Je suis pas
contagieuse, si c'est ça qui t'inquiète. Mais je peux pas t'immuniser non plus. Je crois que je suis enceinte. Qu'est-ce que tu dis? Il est pas de toi, je te rassure. Alors qu'est-ce que... Mais quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Rien. Il faut seulement que je me repose. Oh, c'est pas vrai, tu te fous de moi. Depuis quand t'es au courant? Ça fait seulement quelques semaines. Seulement quelques semaines? On aurait pu faire demi-tour. J'en savais rien, j'en étais pas sûre, ok? Je voulais pas devenir un boulet, d'accord? Alors là, bravo, t'as bien raté ton coup. Excuse-toi direct, hein. Je vais aller... m'assurer qu'il n'y a personne dans le coin. Repose-toi. Qu'est-ce que c'est que ce... cet enchaînement de mauvaises décisions? Ah, tu fais déjà dodo? Mais je veux m'excuser, moi, parce que c'est Ellie, en fait, elle sait pas trop communiquer, elle a du mal, parfois. Putain, mais quelle conne. Putain. Vous pouvez être sûr que c'est le gosse de Jesse, hein. Bah oui, puisque c'était son ex. Ah ouais. Ah ouais, la galère. J'en reviens pas, en fait. Je me demande combien il y a de morts dans cette pièce. Ça se trouve... Mais ouais, parce qu'il y a peut-être plus de préservatifs. Du coup, ils ont fait leur affaire. Il lui a mis ce qu'elle méritait. Elle voulait pas, du coup, ils se sont séparés. Enceinte, putain. Comment t'as pu me cacher un truc pareil? Oh merde. Quelle merde. N'hésitez pas à faire la pause, hein. Fief de cheval. Il y avait encore... Quand même, vaut mieux faire gaffe. C'est sympa cette petite cachette là. C'est bien sympa tout ça. On peut rien fabriquer malheureusement. Alors, c'est luxueux en tout cas. J'étais jamais rentré dans le théâtre. Mais en tout cas c'est beau. Hein. Y a pas à dire. Évidemment on trouve de l'alcool derrière le bar. Des toilettes peut-être? Ah non, c'est pas des toilettes. J'ai peur. Chaque fois que j'ouvre une porte, j'ai peur. Qu'est-ce que c'est que ça? Et pourquoi j'irai ici? Je peux mourir? D'accord. Mais attends, j'ai pas tout fouillé. Sympa la petite capuche. Sympa la petite capuche qui s'enlève. Ah, ça fait, ouais, ça fait cinéma en fait. Moi j'appelle ça théâtre parce que ça... Le bâtiment est un théâtre. Mais c'est vrai que... Moi dans mon village d'enfance, on utilisait la salle de sport. Qui était en fait... Ah, c'est compliqué. C'était un cinéma, mais qui servait de salle pour le judo en même temps. Du coup, genre, on était hyper loin de l'écran. Et au milieu, il y avait un tatami immense. Et en fait, ça faisait aussi salle des fêtes. Du coup, ça faisait tout ça à la fois. C'est un bon moyen d'utiliser un seul local. Pour plusieurs fonctions. Alors, le câble. J'ai comme l'impression qu'on va tomber sur quelque chose qu'on va pas apprécier là-dedans.
Si. C'est bon? Ça va. Allez. Il y a de l'essence. Voilà. De quoi être bien discret. MDR. Pas du tout. Bon sang. T'as grillé? Désolée, mais je suis contente de pas être à ta place. Comment? J'ai pas capté la blague. Et maintenant? Bah j'imagine qu'on redescend. Ok. Pourquoi la caméra se met toujours? Putain. Pourquoi ça fait le tour comme ça? On voit rien. Et là? Non, on va peut-être éviter. Ok. On va mater un film? Ah, c'est la radio, ok. Là, on a déjà. C'est quoi ça? Nickel. Je pense pas que ça méritait un coup dans la radio, hein. Tu sais, c'est pas très très grave. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? C'est pour ouvrir ça? Non. Ouvrir ça, tu penses? D'accord. L'exploration ne finit jamais. Il y a un truc à briller là. Des fois, il y a des petits trucs. Pourquoi il y a des trucs qui brillent en fait au loin? Waouh! Joël. C'est beau. Hein. Ça t'aurait plu de regarder un film ici. C'est magnifique. Ah, qu'est-ce que j'ai hâte de retourner au cinéma! Enfin, j'ai hâte quand tu auras des bons films. Parce qu'en soi, là, je peux y retourner, mais. Eh ben, on a la plupart des films français qui sont pas dingues. Flippant. J'y crois pas. Ça va être à moi de jouer encore. Ça commence à donner quelque chose. Oh, je suis nulle. Mais non. Faut juste que la corne se fasse, c'est tout. Ouais. Allez, tu viens? On y est? Ouais. Oh, putain. Putain, Joël. Qu'est-ce que tu fais allez, là, gros? J'essaie de deviner.
Quoi ? Tu veux gâcher la surprise ? Je sais pas. Est-ce que c'est un dinosaure ? Pas la peine de te fatiguer, je dirai rien. On verra. Est-ce que c'est un éléphant ? Attendez, juste avant de continuer, je voulais vous dire quelque chose. J'ai remarqué qu'au début du jeu, dans le premier épisode notamment, je trouvais que Joël était devenu étrangement joyeux, tu vois. Peut-être qu'il se sentait tellement en sécurité, mais le fait qu'il fasse des blagues et tout, j'avais du mal à le reconnaître. Et là, certes, c'est une autre époque, donc c'est le passé, bien évidemment, mais il y a quelque chose qui... Je sais pas, il est trop peu Joël et beaucoup trop Ellie à mon goût. Tu vois, il sourit, il fait des blagues. Est-ce que c'est un cabriolet ? Tu devineras jamais. Est-ce que c'est un chiot ? Est-ce que c'est un paquet de chatons ? Voilà, relou. Une portée, tu veux dire ? C'est quoi une portée ? Un groupe de chatons. Alors pourquoi on dit pas juste un groupe de chatons ? Ça, j'en sais rien. On dit une portée. Fais attention. T'inquiète. Oh. Oh le bâtard. C'est vraiment un gosse, hein. Mais t'es malade ou quoi? Si seulement tu pouvais voir ta tête. Je pourrais me noyer. Mais non, tu vas pas te noyer. T'es pas aussi empoté que tu le crois, tu sais. C'est ça, marre-toi, l'ancêtre. Je t'aurai la prochaine fois. C'est par là. Je te déteste. Putain, quel boss. Tu nages de mieux en mieux. N'oublie pas, le but c'est pas de s'agiter dans tous les sens, mais repousser de... l'eau avec le bras entier. Bla bla bla. Je suis content de voir que tu m'écoutes. Tu m'aides ? Tu m'aides pas ? Wow ! Qu'est-ce qui s'est passé ? D'accord, c'était par là. Il a appris tellement de choses. Tu vois le cerf là-bas ? Tu le vois ? Juste là, regarde. Ouais. Je le vois. Ouais. On dirait... Alors, ça fait quoi ? Ça rafraîchit. Ouais, c'est pas cool de se faire pousser, hein ? Eh ben... En fait, il fallait qu'on fasse cette partie du chemin à la nage. Je me suis vengé, t'es super énervé. Ouais, t'as raison, je suis super énervé. Allez, viens. Putain, mais qu'est-ce que je suis heureux de retrouver cette partie du jeu. On va une Ellie joyeuse. Inspire à fond. Ouais, pas de problème. Avec Papa Joël. Qu'est-ce que j'aime ça. Ah, j'aurais voulu voir un 1.5 avant l'événement. Qu'est-ce que j'aurais aimé ça. Et quelque part, ils nous le donnent là actuellement. Mais on sait que ça, bah, que ça durera jamais quoi. Toute chose a une fin. C'est mon prof d'histoire de 6e qui s'excuse d'être un gros con. Je te demande pardon. Moi et une copine, il nous énervait quand il traitait les lucioles de terroristes. On finissait tout le temps en col. Tu sais, tu devrais arrêter de t'énerver pour un oui. Je supporte pas les cons. Prends sur toi. Il faut encore plonger ici. Où est-ce que tu m'emmènes ? Qu'est-ce que j'adore. Vas-y. J'arrive pas à plonger. Pourtant c'est par là. Je sais pas pourquoi, des fois je peux pas. Faut peut-être attendre que Joël passe devant pour la sécurité. Est-ce que c'est... une nouvelle paire de baskets ? Parce que t'en as pas assez comme ça ? Sûrement pas. J'ai l'impression d'être en plein rêve, en fait. C'est irréel. Allez, vas-y. Viens là. Ok. Ça me saoule. J'arrête de deviner. Ah, enfin. Mais, bon, est-ce que c'est une énorme collection de BD ? Non. Attends. Une collection de DVD ? Oui. Laquelle ? Juste, oui. C'est des laserdiscs ?
J'en ai entendu parler. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, j'y crois pas, Joël. Waouh! On y est. C'est vraiment un dinosaure! Tu l'as dit. Joël! Surprise. Je le crois pas. Putain, c'est un dinosaure! Il faut que j'immortalise ça. Cette scène est beaucoup trop belle. Il me faut dans mon album photo. Voilà. Là, je me sens mieux. Putain, Joël. T'es vraiment notre daron préféré, quoi. Le roi des lézards tyrans. Il est énorme. J'adore. J'adore retrouver ça. Toujours un... Ah, ça veut dire qu'elle a connu Dina depuis longtemps. C'est trop bien. J'ai même pas envie de courir. Je voudrais que ça s'arrête jamais. Je peux monter ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Ellie, sois prudente. Je grimpe sur un dinosaure ! Oui, et ben justement, évite de faire une chute mortelle. Regarde-moi! Je suis sur un putain de dinosaure! Wow, 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 qu'est-ce que tu fais? Ne saute pas! Ellie, descends! On va sauter, hein? Hey, hey. Oh, t'as vu ça? Oui, j'ai vu ça. C'était pas incroyable? C'est incroyable que tu te sois rien cassé. On est dans le Wyoming! C'était mortel. Muséum d'histoire naturelle du Wyoming. Comment t'as trouvé cet endroit? T'es où? Maria, c'est elle qui m'en a parlé. Je me suis dit que ça te plairait. T'avais raison. C'est quoi? Trop bien. C'est un livre. Un livre sur les dinosaures. Ok. D'accord. Je pense, en toute honnêteté, que ça va devenir ma partie du jeu favorite. Waouh, génial. Tu veux l'essayer? Pas du tout. Si, si. Comme tu veux. Tu vas l'essayer. Oh, regarde-moi ces griffes. Ça, c'est un vélociraptor. En fait, c'est un Deinonychus. Non, je crois bien que c'est des vélociraptors. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'ils s'appelaient, dans le film que j'ai vu. S'il te plaît, mets le chapeau. S'il te plaît. Joël, je veux te voir avec un chapeau de cow-boy avant la fin de... avant la fin du jeu. S'il te plaît, gros. Est-ce qu'on peut monter... Ah ouais, on a gardé nos habilités, heureusement. Pas grand chose là-dedans. Et là, peut-être qu'il faut qu'on trouve un deuxième chapeau pour lui. Ah, bonjour. Désolé, mais les dinosaures ne sont pas disponibles. Qu'est-ce que tu fabriques? Oh, attendez. Un des dinosaures est arrivé. Joël, c'est pour toi. Très drôle. Ouais, c'était très drôle. Parce que t'es vieux. Mais oui, j'avais compris. Ok. Putain. Eh, hey, mais c'est le truc pour trier les piles, ça, non? Ah non, pas du tout. Bah alors? Pourquoi on s'arrête là? Ça, c'est des tout petits. Consoniatus. Drôle de nom pour de ces petits trucs. Ouais, il grouillait. S'il te plaît, mets le chapeau. Ça aussi, tu l'as vu dans un film? Eh bah ouais. Mais pas dans le même. En fait, ils ont fait une suite. Pourquoi tu t'éloignes? C'était moins bien. J'ai envie de faire toutes les interactions possibles. Je peux pas lui donner. C'est mon chapeau alors. Je le garde. Waouh! C'est trop beau. Je suis vraiment un gosse, hein, mais c'est magnifique. Petite tête. Joël, regarde!
Ça, c'est un dinosaure avec un chapeau. Oui, c'est un chapeau-zor. Putain. C'est pas drôle. Je vais le mettre sur tous les dinosaures du monde. C'est vraiment indispensable. J'espère qu'elle va pas tous les faire. Tu sais très bien que je vais tous les faire. Hey! Oh, j'ai eu peur. Mais bien sûr que je vais tous les faire. Tu le sais en plus. Tu nous connais. Hé, hey, Joël. Ellie. Yes. Interdiction de l'enlever. Mon anniversaire, mes règles. Ouais. Trop bien. Ah, j'ai eu un trophée. Tête à chapeau. Wow, le cerveau de celui-là faisait la taille d'une noix. Ah, oh, c'est vrai. Mais alors, ça vous fait un point commun. Oh, très drôle. Toujours des petites blagues là, c'est très farceur hein, Joël. Hein. Celui-là on peut pas l'examiner. Oh, il est immense. Et toi tu es quoi? Le nom Gallimimus signifie qui imite la poule. Qui trouve ces noms? Les scientifiques. Bah, ils sont nuls. Ça fait penser à gallinacé un petit peu la racine du mot. Lui, il est stylé. Le Dimétrodon était un super prédateur. C'est quoi un super prédateur? C'est un prédateur qui déchire. Plutôt court sur pattes. C'est pas la taille qui compte. Malin, ça. Je crois qu'on a raté un panneau, non? Pour celui-ci. Il faut peut-être être en face. Non. Je peux pas l'activer, lui. C'est très bizarre. Et celui-ci est énorme. Il y a même des ptérodactyles. Oh. À une époque, je kiffais tellement les dinosaures quand j'étais petit. J'en avais plein en jouets en plastique. Vélociraptor. Joël, c'est celui dont tu parlais. Le Vélociraptor. Il est tout petit. Rien à voir avec celui du film. Waouh. Regarde l'épaisseur de son crâne à lui. Il ressemble un peu à Tommy. Je lui dirais que t'as dit ça. Non, pitié. Sous le bon angle, c'est Tommy, tout craché. Un Parasaurolophus. Eh bé. Ceux-là, je crois... Non, sans déconner, je crois que eux, c'était mes préférés. Parce que je leur faisais faire des coups de boule aux autres dinosaures. Wow, celui-là ressemble à un oiseau. Eh ben, en fait, les paléontologues pensaient que les oiseaux descendaient des dinosaures. Oh, pardon, monsieur le professeur. Qu'est-ce que tu crois? Je sais des choses. Grâce à un film. Continue. Oh, on n'en a jamais douté, hein. Il y en a plein. Oh, j'aurais kiffé faire une visite comme ça en vrai. Qu'est-ce que c'est que ça? Un appareil photo? Non, un deuxième chapeau. Yes. Ça, c'est cool. Ça, j'aime la bonne vibes. Allez, on va monter. T'allais souvent au musée? Ouais. Ouais, Sarah était fan. Elle a dû me traîner dans absolument tous les musées du Texas. On dirait une girafe. Ouais, je trouve aussi. Je reconnais que c'est drôle. Tu vois? Beau. Je suis pas en train de pleurer, mais je suis pas loin. Oh, tu savais qu'il y avait ça? Ah, ça te plaît pas.
On peut partir. T'es bête. Est-ce qu'il va y avoir une sorte d'énigme? Ah mais non, mais c'est vrai, elle adore. Hey, Joël, quel a été le premier animal à être allé dans l'espace? Un chien. Ça, je sais, c'était un singe. Non, des mouches. Ouais, en 1947. C'était pour tester la résistance aux radiations à très haute altitude. Et elles ont survécu. La vache, t'es plutôt futé. Merci. Et ça les a transformées en super mouches? Quoi? Non. Elle est où la fusée française, là? Enfin, pas française, mais... Il me semble qu'il y en a une qui s'appelle Ariane. Peut-être que je me trompe, hein. Enfin, la plupart, c'est des américaines. Et des chinoises russes. Enfin, des asiatiques, peut-être. Qu'est-ce que tu vas nous écrire? Ah, t'as dessiné vite, quand même, hein. On l'a vu, ça, hein. Un jour. C'est hyper poétique. J'aime bien cette partie un peu tendresse et tout ça. J'adore ça. Tu sais combien de fois on est allé sur la Lune? Deux. Six fois. T'en es sûr? Ouais, je suis sûr. Avec moi, ça fera sept. L'espoir fait vivre. Hé, hey Joël, tu connais le nom de toutes les planètes? Mon vieux tonton musicien joue sur un nouveau piano. Tu me fais une attaque ou quoi, là? Mon Mercure, vieux Vénus, tonton, Terre. Oh, ok, j'ai compris. C'est bien trouvé. Jupiter. Un vieux piano. Pluton. Et après, j'ai oublié la suite. On va relâcher quand même. On va pas faire ça pendant 10 minutes. Mon vieux tonton joue du piano. Et le dernier, c'est quoi? Oh, une capsule. Wow. Hey, non, attends une minute. Tu vas dans l'espace. Il te faut un casque. C'est vrai. Je suis bête. Yeah. On prend lequel? Celui-ci? Ou celui-ci? Gemini. J'aime bien celui-là. Trop cool. Ça pue pas trop là-dedans? Ça sent l'espace. Et la crasse. Et l'autre? On peut pas le donner à Joël? Trop cool. On peut mettre une tenue? J'ai envie de tous les essayer en vrai. Ça sert pas à grand chose. Celui-ci est bien, il fait plus. Un petit peu plus casque de moto. Je crois que c'est tout ce qu'on peut avoir. Joël, t'as pas de casque? Il faut que t'en mettes un aussi. Après toi. Attention à la tête. Wow. C'est dingue. Oh. Ok. Wow. Regarde un peu tous ces boutons. Trop la classe. Putain. Non mais t'imagines le truc? Bon anniversaire, Ellie. C'est quoi ça? Ça, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à trouver. Prends-la.
tes yeux. Tu vas voir, ça vaut le coup. Ok. T'as aimé ton cadeau? J'ai adoré, putain. Eh ben, tant mieux. Bon, qu'est-ce que tu dirais d'aller explorer le coin? Ouais, ok. Allez. C'est trop beau. C'est trop trop beau. Merci Naughty Dog pour ce moment. Malgré toutes les critiques que j'ai entendues dernièrement sur le jeu, sur le studio, ils savent faire des beaux moments aussi. Ils savent créer un peu l'émotion. Hein. Oh, putain, mais il y avait tout ça que j'ai pas visité. C'est énorme. Je veux tout faire. Joël, viens, on reste, on vit ici et on sort plus jamais. Putain, il y a tellement de trucs. Bon bah écoutez les amis, je pense qu'on va s'arrêter ici après ce décollage et cet atterrissage en compagnie de notre bon vieux Joël. Ça me fait tellement plaisir de le revoir même si c'est qu'un rêve. Hein. Au moins on est avec lui, il est avec nous, dans nos cœurs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un gros pouce bleu. Je vous en remercie d'avance. Et abonnez-vous pour ne rater aucune des prochaines vidéos. En attendant, moi je vous souhaite une très bonne fin de journée, ou de soirée, ou de nuit. Et à très très vite. Ciao !